ici une très grande maquette faite avec des terres des chantiers d'Île-de-France, des terres recyclées. Donc c'est une maquette qui prend toute l'Île-de-France, mais aussi la Normandie, une partie de la Normandie, qui fait 6 mètres de long sur 2 mètres 50. Et ce qui est unique et inédit, c'est qu'elle est vraiment faite en terre compactée et avec une légende vivante. Alors, deuxième élément majeur de l'exposition, c'est ce mur circulaire qui est fait de briques de terre crue, compactée. Ce qui est intéressant avec la terre, c'est que ça réduit le bilan carbone du bâtiment, qui est aujourd'hui très important. La terre, c'est un matériau naturel, recyclable, qui crée aussi des atmosphères très agréables dans les intérieurs, avec une régulation thermique très intéressante. Troisième élément majeur de l'exposition, c'est ce totem stratigraphique où vous pouvez retrouver toutes les couches du sous-sol, en fait, en Île-de-France. Donc on retrouve de la craie, du calcaire, des marnes, et tout en haut, le limon des plateaux, hein, qui est en fait la terre, la partie de la terre supérieure. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est derrière montrer une très grande coupe du bassin parisien pour retrouver ces différentes coupes à une échelle plus large et vraiment montrer voilà, ce qu'il y a sous nos pieds, ce qu'on ne voit jamais. Vous avez creusé le sol et le sol, il est sédimenté comme ça. Exactement, et on allait nous-mêmes dans les carrières chercher du limon, du calcaire, du sable. Sur une ancienne carrière de renaturation des sols, amis de la biodiversité, mais aussi des loisirs, ce qui est un autre enjeu, c'est pouvoir à la fois ouvrir, recruter et en même temps ouvrir la biodiversité.